surprise de nous rejoindre. C'est Hicham Roufir, le gardien de Quevilly, le petit poussé de cette Coupe de France qui a éliminé Boulogne dans la semaine. Je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir. Alors, il faut que vous sachiez que Hicham avait décidé de venir comme voilà, que dans le public, comme les 300 personnes qui viennent chaque week-end. Et nous, on est heureux de vous accueillir quelques minutes à la table pour découvrir ensemble le tirage au sort de ces demi-finales de la Coupe de France. Regardez, ce sera Quevilly contre le Paris Saint-Germain. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Monaco contre le Racing Club de Lens. Ça veut dire que vous allez vous croiser à nouveau. Ce sera, vous l'espérez, je crois, à Rouen, c'est ça? Ouais. Oh, on espère. On espère jouer au stade Robert Diochon, comme ça nous réussit bien. Puis on a nos marques là-bas, donc on espère accueillir Claude Makélélé et son équipe. Mais s'il y a fou, il tire jamais au but, lui. S'il y a penalty, je sais où il tire. Bon. Oui, c'est ça. Non, s'il peut te faire un double contact, dans la... ça c'est rare, quoi. C'est un bon tirage, Claude, ou pas, Quevilly? Vous craigniez d'avoir le petit poussé ou vous l'espériez? Non, on craignait. Je crois que dans ce genre de match, il faut être prêt. Je crois qu'ils ont, fait un super parcours en éliminant quand même de clubs de L1. Donc, ça va être difficile, on sait. Donc, c'est une demi-finale, donc il faut les prendre au sérieux. Et je pense qu'on va faire en fonction de ne pas se faire piéger comme ceux qui sont passés avant. Quoi. Moi, je l'ai connu, celle-là, avec Calais. Oui, Calais-Bordeaux, c'est ça, en demi-finale. Voilà. L'épopée de Calais, j'avais joué comme ça en demi-finale à Lens, ouais. Et on avait pris 3 et on n'avait pas touché le ballon. Ouais. Hyper mauvais souvenir. Voilà, donc un petit souvenir. Et pour vous, Hicham, c'est un bon tirage, le Paris Saint-Germain, ou pas? Un bon tirage, oui et non, quoi. Enfin, nous, c'est un tirage. Enfin, j'espère qu'on va jouer. Des truffes, tu feras le zapping. On espère juste jouer à notre stade Robert Diochon, là, parce qu'on a nos repères là-bas, tout ça. Donc, mais oui, c'est un bon tirage. Bah, nous, on va tout faire pour se qualifier, puis pour aller au Stade de France, parce qu'on est on est à un match du Stade de France, puis on compte bien aller en finale. Il avait l'air sûr de toi, quand même. Oui, pardon. Il avait l'air sûr de lui dans le reportage. Mais c'était à 3h du matin dans une boîte. Ça aurait été à 4h du matin ou à 4h de l'après-midi, à 16h de l'après-midi, il n'y aura pas de souci. Hein, donc tu peux dire, vous allez taper le PSG. Il m'a regardé bizarre. Non, je ne pas. Bon, on vous souhaite bonne chance, en tout cas, à l'un et à l'autre. Ce sera les 14 et 15 avril, je crois, et on n'oublie pas donc l'autre demi-finale avec Monaco qui accueillera Lens. C'est pas mal aussi. On revient au championnat avec les 5 matchs qui se jouent aujourd'hui. On commence justement par le Paris Saint-Germain qui recevait Boulogne.